Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Caillou pour la journée nationale des voies vertes. Et on va se faire une petite balade en vélo vintage ou autre sur une voie verte qui vient tout juste d'être créée. Écoute, c'est un Colnago comme d'habitude, c'est le modèle Carbitubo, donc tube en carbone. C'était le modèle qui avait été utilisé par Olano quand il a gagné le championnat du monde. Alors, je ne sais plus où il a gagné, mais il avait ce modèle. Donc voilà, c'est un vélo des années 80, entre 87 et 90. C'était un Colnago qui avait quand même une consonance type Alan. Voilà. Je pense que de nombreux vélos de ce modèle-là ont été faits chez Alan et pas chez Colnago. Voilà. Mais il est gravé Colnago. Alors je l'ai acheté à Papy. Papy, c'est son beau-père. Et Papy, qui avait fait une course régionale l'an dernier, qui malheureusement s'est fait opérer de ses déhanches, qui peut plus. Donc je lui ai acheté le vélo pour le représenter sur une course dont je tairai le nom l'an prochain. Donc voilà, c'est un vieux Peugeot de 74. Voilà. Donc comme il est de 74 ce vélo, calculons que comme j'ai 54 ans, il y a 100 et quelques années, donc je ne suis pas plus frais que le vélo, mais très fier de le porter pour rester à la place de Papé, qui maintenant ne monte plus sur un vélo de route. Mais il reviendra, dès que ces deux hanches en carbone seront remis en place. Mais je le trouve beau, c'est un vélo qui est simplement esthétique. Voilà. Je ne sais pas grand chose de plus à dire, mais il continue à rouler. La guerre, je l'ai prise dans l'autre sens avec mon vieux. À la chaîne YouTube Frédéric Ibal. C'est magnifique, c'est très apaisant. Idéal pour le décrassage un dimanche matin. J'aime beaucoup. Ouais. Thank you.
Alors Pierre, petite sortie de route là. Et voilà, ouais, trop de vitesse, trop vite. C'est pour ça. On était au moins 12 à l'heure. Et... C'est toi, derrière. C'était pas un bon pilote. Ne tira pas Nati surtout. Changer d'avis, hein, sur... Allez, je passe. Alors, cette voie verte, c'est une belle découverte. Très bien, très belle. Un peu fraîche, mais belle. Et comme toujours dans ce genre de sortie, ça se termine par un petit repas bien sympathique. Où est-ce que tu devrais le café? Ma tête là, elle est pas. Pas trop grosso, à raison. On m'a dit que tu savais mettre mes vélos en exposition. Ben ça, c'est vrai. Oui, oui, c'est pas du tout. Je ne peux pas comprendre à. Le franchement, au départ, ça grimpait. Hein. On s'est mis quoi, au moins 50 mètres des plus. À 50 mètres, je tiens le coup. À 55, je rentrais chez moi. Hein. Donc, vous pouvez venir, il y a eu 50 mètres des plus. Le retour, c'était bien parce qu'on a fait un dénivelé négatif de 50 mètres. Alors là, on était tous des bombes. Surtout l'Italien là-bas, qui parle vraiment trop. Son ami de Montpellier, ils ont des beaux t-shirts tous les deux. Mais... À 55 mètres des plus, il commence à tirer la langue quand même. Sur ce, à la prochaine. Ah, moi j'ai mangé du pâté de canard, un taboulé à tomber par terre, des falafels sur une magnifique tranche d'aubergine, des œufs coques, du camembert, du raisin, du poulet basquez, du cantal, et c'est pas fini. Hein. Alors là, j'ai rien à dire, c'est succulent, tout est parfait.
Depuis le début, depuis ce matin, tout est parfait. C'est le meilleur moment, ouais, le pique-nique, parce qu'on est les fesses sur une chaise, on ne bouge plus, on ne pédale plus, et puis on ne fait que se régaler, il n'y a que des bonnes choses. On a mis en commun tous les plats des copains, des copines, et vraiment, c'est top. Excellent, puisqu'il y a même du poulet basquès fait par un Catalan. Tout a été bien. Non, c'est une réussite totale. Quoi. Ce n'est que de la satisfaction, et je suis heureux. Je reviendrai l'an prochain.